Assalamu alaikum, bienvenue à la suite et fin de cette histoire de Youssef, le petit Youssef, Youssef Sarir. Cette histoire donc qui a pour titre Shajaratul Hayat. Et cette première partie de Shajaratul Hayat, le Faslul Awwal, donc le Faslul Awwal c'était Nabatul Shafi. Nabatul Shafi, donc ça veut dire la plante aux vertus guérissantes. Donc on était arrivé au chapitre 9. Le chapitre 9 a pour titre Harisu Nabat. Harisu Nabat. Donc Haris, c'est un gardien. Haris, même pour le football, on a ce mot-là par exemple, le gardien de but. Haris al-Marma, donc le gardien de but. Donc Harisu. Et même dans n'importe quel endroit où on a un gardien, ça va être Haris. Le Haris, c'est le gardien. Harisun Nebet, dans le gardien de la plante. Harisun Nebet. Voilà le titre. Donc, Faqala laha Yusufu. Donc, alors on s'était arrêté quand elle lui a dit que son ne t'inquiète pas, je vais garder ta maman. Toi, par contre, ton aventure va être risquée et difficile. Donc, là, il lui répond, Faqala laha Yusuf. Il lui a dit alors à elle, donc Yusuf, à la jinnia, il lui a dit, Sakunu inda husni dhanniki bi. Donc, Sakunu, je serai, inda husni dhanniki bi. Donc, à la hauteur de ce que tu penses de moi. Donc, inda. Ça veut dire ah ou chez inda husni, c'est la beauté, c'est comme jamel, husni la beauté, donc zanniki, donc la beauté de ton opinion, zannik ce que tu penses, ton estime, ton opinion, bi de moi. Donc tout ça veut dire je serai à la hauteur de ce que tu penses de moi, je ne te décevrai pas. Sakunu inda husni dhanniki. On peut s'arrêter là même. Bi. On peut ajouter donc me concernant. Sakunu inda husni dhanniki bi. Fala takhafi alayya shay'a. Donc, alors, négation, la. Alors, n'aie pas peur. Fala takhafi. Donc, impératif pour une fille. Fala takhaf pour un garçon. Fala takhafi. Pour une fille, alayya, n'aie pas peur pour moi, en aucune manière, n'aie aucune crainte pour moi. Voilà, n'aie aucune crainte pour moi. Fala takhafi alayya shay'a. Avec shay'a qui veut dire chose, donc rien ici plutôt, puisque c'est la négation. Donc ne crains rien pour moi. Fa inni shuja'a, ça veut dire car je suis courageux, shuja, on l'avait déjà vu. Fa'inni shuja, je suis courageux. Walen, le futur, négation du futur, walen. Walen yanqusani l'iqdem. Donc, walen yanqusani, et je ne manque pas de bravoure. L'iqdem, donc c'était un synonyme de shaja'a. Donc là, il dit qu'il est shuja'a. Et donc, il emploie l'adjectif shuja'a. Adjectif, et là c'est un nom, Iqdem, qui est la bravoure, le courage, la bravoure. Walen, donc il ne me manquera pas. Layan Qusani el Iqdem, il ne me manquera pas de courage, de bravoure. Inch'Allah. Donc quand on emploie le futur, les musulmans emploient cette formule, Inch'Allah, puisque tout est entre les mains d'Allah finalement. ولست أطلب منك إلا شيئا واحدا ولست أطلب et je ne demande ولست je ne أطلب demande منك de toi venant de toi إلا شيئا si ce n'est une chose si ce n'est tout ça veut dire une chose شيئا واحدا واحدا c'est une donc une chose chose une. Tout ça veut dire, si ce n'est une chose. Walastu atlubu minki,
Minki, j'ai dit Minka, je pense. Walastu atlubu minki illa shay'an wahida. Et je ne te demande qu'une seule chose. Faqalat al-jinniya. Donc, la jinniya a dit alors. La jinniya a dit alors. Faqalat al-jinniya. Labbayk. Me voici. Donc, je suis prêt, je suis là. Vas-y, dis-moi ce que tu as demandé. Labbayk. Me voici. Ayyuha shuja. Ô toi, le courageux. Ayyuha shuja. Laka ma turid. Ce que tu veux t'appartient, est à toi. Ce que tu veux, ma turid, est à toi. Donc, tout ce que tu voudras, en fait. Tout ce que tu voudras. Faqala, il dit alors. Khabirini. Informe-moi, Khabirini, informe-moi, impératif encore pour une fille. Pour une fille, oui. Pour une fille, donc on rajoute le i ici. Pour un garçon, on aurait dit Khabirni. Mais là, c'est une fille, Khabirini. Ni, c'est moi. Tu m'informes à moi. Khabirini. Kayfa a'rifu hadhihi shajara? Kayfa a'rifu hadhihi shajara? Donc, comment je reconnaîtrais? Kayfa a'rifu, comment je reconnaîtrai? Donc ça c'est a'rif, c'est connaître au présent, je connais au présent, mais ça a un sens futur. Kayfa a'rifu, ça veut dire kayfa sa'arifu. On pourrait dire kayfa sa'arifu. Mais ici, il n'y a pas besoin de mettre sa'arifu, on sait que c'est dans au moment de la reconnaître, ça sera dans le futur. Kayfa a'rifu hadhihi shajara. Comment on reconnaît ou comment reconnaîtrais-je cet arbre? وكيف أمضي نحوها donc نحوها c'est l'arbre شجرة qui est féminin en arabe وكيف أمضي نحوها كيف أمضي نحوها et comment je m'acheminerai j'irai je marcherai vers elle donc vers lui vers cet arbre كيف donc pour dire comment كيف et كيف comment وفي أي مكان من الجبل أهتدي إليها وفي أي مكان et dans quel endroit وفي أي et dans quel مكان endroit من الجبل de la montagne من الجبل de la montagne أهتدي إليها أهتدي donc je m'orienterai je serai je me guiderai إليها Donc, ça veut dire où je trouverai cet arbre finalement. Ehtadi. Ehtadi, ça vient de Hidayah. Hidayah, c'est la guidance. Ehtadi. Ilayha. Faqalat al-jinniyatu. Donc, la jinni a dit, dit alors. La jinniya dit alors. Mata wasalta ila a'la al-jabali. Donc, mata wasalta ila a'la al-jabali. وبلغت القمة donc quand tu arriveras quand tu atteindras متى وصلت quand tu arriveras متى وصلت donc ici c'est passé mais on le considère comme le futur وصلت ça veut dire tu es arrivé mais dans la phrase ici متى وصلت ça veut dire quand tu seras arrivé quand tu seras arrivé il est على الجبل donc c'est le futur antérieur Mata wasalta, quand tu seras arrivé, il est à al-Jabali, il est à al-Jabali, sommet de la montagne, tout en haut de la montagne. Wa balagta al-qimma, et que tu auras atteint, encore une fois au passé, atteindre balara. Mais ici, balara, balagta, tu as atteint, ici, et tu auras atteint, passé antérieur, futur antérieur. Donc le futur antérieur. Juste avec un passé. En arabe, on a le futur antérieur. Et quand tu auras atteint donc le sommet, wa balagta al-qimma, le sommet, al-qimma, falan yas'uba alayka al-ihtida'u ilayha. Donc, alors ce ne sera plus difficile pour toi. Falan yas'uba alayka. Alors ce ne sera plus difficile pour toi. Yas'uba alayka al-ihtida'. Donc de te guider, de t'orienter. Vers cet arbre, ilayha, vers elle, donc vers lui, l'arbre, elle en arabe.
que c'est féminin l'arbre. Walaysa alayka. Donc on va. Il faut. Hina idin. À ce moment-là. Laysa alayka. Tu ne devras pas. Tu n'auras pas besoin. Illa an tunadiya haris al-nabat. Haris al-nabat. Walaysa alayka illa. Tu n'auras qu'à. Walaysa alayka illa. Tu n'auras qu'à. En tunadiya haris al-nabat. Tunadiya a appelé le gardien de la plante, Haris al-Nabat. Donc, Hina Idin, à ce moment-là. Fa'innaka mata nadaytahu salata marratin bi'a'la sautik. Fa'innaka, donc toi, donc quand tu, mata. فَإِنَّكَ مَتَى quand tu نَدَيْتَهُ l'aura appelé نَدَيْتَهُ donc le passé encore pour exprimer le futur antérieur نَدَيْتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ trois fois quand tu l'auras appelé trois fois ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّة c'est une fois مَرَّاتٍ au pluriel ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِأَعْلَى سَوْتِكَ du plus haut de ta voix la plus forte بِأَعْلَى سَوْتِكَ donc en arabe, la plus haute de tes voix, bi'a ala sawtik. Halumma ya haris an-nabat. Halumma, donc halumma ça veut dire viens. Viens à moi. Viens à moi, ya haris, ô toi le gardien an-nabat. Ya haris an-nabat, ô toi le gardien de la plante. Falan yutimma nida hatta yadhhara لَكَافِ الْحَالِ فَلَنْ تُتِمَّ فَلَنْ تُتِمَّ pardon j'ai dit يُتِمَّ je crois فَلَنْ تُتِمَّ النِّدَاءَ donc tu n'auras pas fini tu n'auras pas achevé ou le pardon plutôt l'appel ne sera pas achevé mais en fait ça veut dire ça tu n'auras pas fini de l'appeler l'appel ne sera pas achevé donc les trois fois ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَنْ تُتِمَّ النِّدَاءَ donc tu n'auras pas fini ton appel حَتَّى donc encore une fois tu n'auras pas fini ça que حَتَّى حَتَّى qui veut dire jusqu'à ou bien afin mais ici حَتَّى tu n'auras pas fini de l'appeler que حَتَّى que يَظْهَرَ لَكَ qu'il t'apparaîtra فِي الْحَالِ sur le champ tout de suite فَتْلُبْ alors demande إِلَيْهِ alors demande-lui فَتْلُبْ إِلَيْهِ alors demande-lui impératif فَتْلُبْ إِلَيْهِ حِينَ إِذِنْ à ce moment-là شَيْئًا مِنْ نَبَاتِ الْحَيَةِ donc شَيْئًا un petit peu شَيْئًا مِنْ un petit peu de نَبَاتِ الْحَيَةِ donc de la plante de la vie voilà donc c'était la fin de de la neuvième sous-partie de la première partie. Voilà. Du neuvième petit chapitre du premier chapitre. Donc ça, c'est le dernier sous-chapitre du premier chapitre. Donc, Widadu al-Jinniya. Donc, Widadu, ils l'ont appelé Widadu, c'est le prénom féminin, al-Jinniya, la Jinniya. Widad, la Jinniya. Fashakara Yusufu li-Jinniyati. وداد نصيحتها وإرشادها. Donc فشكر il a remercié يوسف للجنية il a remercié la جنية وداد son nom نصيحتها pour son conseil نصيحتها نصيحة c'est un conseil une recommandation وإرشادها et sa guidance. Donc le fait qu'elle l'ait orientée. « Wa irshadaha » Elle lui a montré la voie. « Thumma qabbala yadaha » « Yadaha » « Thumma qabbala yadaha » Puis, il lui a embrassé la main. Puis, il lui a embrassé la main. « Thumma qabbala yadaha » « Musta'zinan fi arrahil » مستأذنا
Fi al-rahil. Donc, musta'adhinan fi, c'est demandant la permission de musta'adhinan. Donc, la permission, c'est l'idn en arabe, l'idn musta'adhinan. Donc, quand on avait déjà dit alif, donc là, il n'est pas là, il est remplacé par mou. Puis on a alif, puis sin, puis ta. C'est souvent qu'on demande la chose qu'il y a après. Donc ici, la chose qu'il y a après, c'est l'idn. Idn, c'est la permission. Donc musta'adhinan, c'est mou, c'est pour représenter la personne. Donc lui, il est en train de jouer le rôle de celui qui demande avec ça. On voit qu'on fait une demande. On peut voir qu'on fait une demande de quoi? De idn, de permission. Donc musta'adhinan fi, demandant la permission, rahil, de partir, donc de se mettre en route. Rahil, c'est se mettre en route, c'est le fait de partir. Donc de s'absenter, de partir, de se mettre en route. Ba'da, en qabbala yada ummihi, après avoir embrassé la main de sa mère, el marida, donc la malade. Watarakaha fi jiwari el jinniyatil karima. Et de l'avoir laissé, tarakaha, Fijiwari aux côtés d'eux, El Jinniyati El Karima, de l'honorable El Karima, la respectable El Jinniya, la Jinniya honorable. Thumma wada'a fi jaybihi raghifan kamilan min al khubz. Ensuite, thumma wada'a fi jaybihi wada'a fi jaybihi, donc puis ensuite. Ensuite, on va dire au puits, Wada'a fi jaybihi, il a mis dans sa poche, Wada'a fi jaybihi, Rarifan, donc c'est un rarifan, c'est une miche de pain arrondie, donc le pain arabe, Rarifan, Kamilan, donc une miche entière, Kamilan, Min al-khubz, de pain. Litakuna zadahu fi rihlatihi al-ba'ida. Pour qu'elle soit, donc, afin de s'en servir, pour qu'elle soit, litakuna, zadehu, sa subsistance, donc sa nourriture, zadehu, zed, c'est la nourriture, donc zadehu, sa subsistance, fi rihlatihi, dans son périple, dans son voyage, el ba'ida, fi rihlatihi el ba'ida, donc dans son voyage lointain. Sara fi tariqihi, Sarah fi tariqihi, c'est il Sarah donc il est parti, s'est mis en route, il a pris la route. Sarah fi tariqihi, donc tout ça, Sarah fi tariqihi, donc il est parti, il s'est éloigné, il a pris, s'est mis en route fi tariqihi. بعد أن حيا صاحبته وداد, بعد أن حيا, après qu'il ait salué, après qu'il l'eût salué, صاحبته, sa copine, Widad. Fihtiramin, avec respect, Fihtiramin, wa adabin, et courtoisie, et politesse. L'adab, c'est bonne manière, politesse, courtoisie, adab. Fihtiramin, donc respect, l'ihtiram, c'est le respect, wa adab. Adab, c'est les bonnes manières, la politesse. Tahiyata al-wada'. Donc on qualifie maintenant le salut. Tahiyata al-wada'. Donc un salut d'adieu. Le wada'. Le wada', c'est l'adieu. Fashayya'athu. Donc là c'est un synonyme. Donc quand on dit shayya'a, c'est dire adieu, souhaiter adieu. Shayya'a. Ça veut aussi dire donc accompagner, shayya'a. Accompagner quelqu'un donc avant un départ par exemple, même au moment de la mort, shayya'a. Donc là c'est ici fashayya'athu, elle lui a souhaité adieu. El jinniyatu bibtisamati i'jab, avec un sourire de bibtisamati i'jab, un sourire de comment on peut qualifier ça? Donc un sourire de Yajeb, c'est qu'elle était contente. Elle était un sourire de ouais de elle cachait pas sa joie quoi. Yajeb, elle était ravie.
وقد ظهر على ملامح وجهها ما تدمره من محبة وقد ظهر Et il est apparu, il est certes apparu, Zahara, ala malamihi wajhiha, sur les traits de son visage, le malamih, ce sont les traits, le malamihi wajhiha, de son visage, wajhiha, ma tudmiruhu, ce qu'elle dissimulait, tudmiruhu, donc c'est idmar, c'est le fait de dissimuler, ma tudmiruhu, min mahabbatin, d'amour, d'affection, min mahabbatin. Wabada ala asaririha, asaririha, wabada ala asaririha, ma tukhfihi. Et donc, dans sa joie est apparu, ma tukhfihi, min wafa'in, ce qu'elle dissimulait encore, tudmiruhu. Tudmiruhu ou bien turfihi, turfihi, ce qu'elle dissimulait, min wafa'in, de wafa, c'est la fidélité, la loyauté. Donc quand on est fidèle à une parole, à quelqu'un, etc. Wafa'in, la loyauté, la fidélité, wafa'in. Wa atfin, atfin, c'est la compassion, on l'avait déjà vu, la compassion, la bienveillance, atfin. L'idélique tifle sarir, envers l'idélique, envers l'idélique tifle sarir, ce garçon petit, ce petit garçon, donc en français, eshujar, ce petit garçon courageux, eshujar, courageux. Donc quand on qualifie les adjectifs en arabe, on alif l'aim aussi. Donc tifle, c'est le nom, sarir, alif l'aim. Donc c'est l'adjectif, mais il est considéré dans la langue arabe, ça c'est un nom, on appelle ça ism. Donc on lui met, et là donc il qualifie tefl, il qualifie donc, on le met, il porte la même chose, le alif ul-lam encore défini, des articles définis, et shuja', donc sari le shuja', le petit, le courageux. Alladhi ki yastahinu, yastahinu bil mata'ibi. Estahinu, ça veut dire il sous-estime, il regarde, il méprise, il regarde de haut. Bil mata'ibi, il regarde de haut quoi? Le mata'ibi, les ennuis, les difficultés. Donc ça lui fait pas peur, ça l'impressionne pas. Ça ne l'impressionne pas. Wa la yubali ma yalqahu min al-masa'ib. Wa la yubali, et franchement, qu'importe pour lui. Wa la yubali, ça veut dire qu'importe pour lui. Ma yalqahu min al-masa'ibi, min al-qahu min, c'est-à-dire ce qu'il pouvait rencontrer, heurter en termes de difficultés. Al-masa'ibi, le masa'ibi, ce sont les difficultés. Madiyan fi tariqin talama ahlakat man masha fiha. Donc, madiyan, empruntant, marchant, allant sur fi tariqin, sur une route. Talama, qui a souvent, Talama, ahlakat, elle a complètement détruit, elle a tué, donc elle a, ahlakat, elle a détruit, men, mashafiha, ceux qui se sont aventurés, ceux qui s'y sont, ouais, aventurés. Walam yadfar bin najati, أحد من سالكيها. Donc ولم ولم يدفر. Donc et personne n'a trouvé, personne n'a atteint, n'a acquis une najati, la donc le succès. أحد من سالكيها. Donc personne n'a réussi, personne s'en est sorti. Najati ahadun min salikiha. Wa sara Yusufu, et il s'est mis en route. Yusuf as-sagir fi tariqihi ila al-jabal, sur en chemin
vers la montagne. Fi tariqihi, sur son chemin vers la montagne. Wa qalbuhu mamlu'un thiqatan. Wa qalbuhu mamlu'un thiqatan. Et son cœur, qalbuhu mamlu'un, était empli, était rempli, était plein, thiqatan, de joie, de confiance, thiqatan, de confiance. Donc il avait confiance, il était très confiant, son cœur était très confiant. Bil fawzi, du triomphe, de la victoire. Bil fawzi, du triomphe, de la victoire. Wa najah, de la réussite. Najah, de la réussite. Wa imanan, et de foi, la foi. Wa imanin, wa thabatan, et de fermeté. Wa thabatan, vous l'avez déjà vu. Wa thabatan, et de fermeté, de résolution, de fermeté. Watmina'nan, watmina'nan, watmina'nan. Et à l'aise, il était à l'aise. Voilà. Wakana yahsabu al-jabala, wakana yahsabu al-jabala, et il pensait que la montagne, wa huwa yarahu min nafilati baytihi, et lui, et quand, alors qu'il le voyait plutôt, alors on va traduire comme ça, parce que si on l'a on traduit littéralement, ça fait wa huwa, et lui, yarahu, yarahu, il le voyait, il le voit, min nafilati, de la fenêtre de sa maison, baytihi. Mais on va dire وَكَانَ يَحْسَبُ الْجَبَلَ وَكَانَ يَحْسَبُ الْجَبَلَ, il pensait que la montagne, وَهُوَ يَرَاهُ مِنْ نَافِذَةِ بَيْتِهِ, alors qu'il la voyait de la fenêtre de chez lui, قَرِيبًا مِنْهُ, était près de lui, وَلَكِنَّهُ دَهِشَ حِينَ رَآهُ أَبْعَدَ مِمَّا يَظُنُّ, وَلَكِنَّهُ, mais il, Dahisha, il a été surpris. Hina, Hina, Ra'ahu, quand il l'a vu. Quand il l'a vu, oui. Abada mimma yadhunnu. Plus loin, Abada mimma, de ce qu'il yadhunnu. De ce qu'il pensait. Mimma, de ce yadhunnu, de ce qu'il pensait, de ce qu'il croyait. لقد كان يحسب أنه سيصل إلى قمة الجبل قبل نصف ساعة. لقد, donc pour intensifier le passé, كان يحسب, il pensait que أنه سيصل, qu'il allait arriver, إلى قمة الجبل, au sommet, إلى قمة الجبل, de la montagne, قبل نصف ساعة, avant une demi-heure. En moins d'une demi-heure. Qabla nisfi sa'atin. En moins d'une demi-heure. Donc, qabla, avant, nisfi, la moitié, sa'atin, d'une heure. Donc, avant, en moins d'une demi-heure, on va traduire. En moins d'une demi-heure. Walakin al-amra lam yakun sahalan kama takhayyala. Donc, walakin, mais, l'amr, donc, l'affaire, lam yakun, n'a pas été sahlan kama, aussi facile, sahlan kama, aussi facile, takhayyala, qu'il ne se l'imaginait, qu'il ne l'imaginait. Faqad masha, alors il a marché tout le lion, tout le long, toute une journée, tout le long de la journée, tout le lion, duna an yasila ila safhi al-jabali. Duna, donc sans qu'il n'arrive, duna an yasila, sans qu'il n'arrive, il est safh al-jabali, au pied de la montagne, safh al-jabali, au pied de la montagne. Voilà, donc c'est la fin de cette première, de la première partie de Shajaratu al-Hayat, Shajaratu al-Hayat, donc l'arbre de vie, c'est la fin de la première partie. Et nous verrons ensuite dans d'autres vidéos, peut-être après somme, je parle anglais, peut-être après quelques vidéos de médias, de traduction d'articles de médias, nous reviendrons donc pour la deuxième partie de cette histoire. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles traductions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.